Fait quand on attend les visiteurs, on va mettre une longue laisse à notre chien. Mais je vais faire voir comme si je ne l'avais pas vue avant elle, là. C'est organisé. J'ai commandé un homme assez grand, assez imposant. Là, je vais aller aviser mon invité. Ça sera pas long, j'ai un chien d'entraînement. Jean-Guy, il y a un berger australien aussi. Je connais ça. Et là, je vais reconduire madame. Puis, elle n'a pas le droit de venir avec moi gérer la porte. Et tu vois, ses intentions me le disent. Là, elle ne me regarde pas, elle regarde la porte. Et salut Jean-Guy, tu peux rentrer, mais regarde pas mon chien. Je me mets vraiment out. Je mets vraiment entre mon invité et mon chien. Et je sais que ça la regarde, elle a une mauvaise intention. Et j'enlève la job. Tu peux t'asseoir, Jean-Guy. Merci d'être là. Tu as amené des petits bois pour les chevaux? Je vais mettre ça là. Puis là, ce que je vais faire, elle n'a pas le droit de la regarder. Là, je vais me tasser. Ça fait que là, elle me regarde. Tu vois, c'est déjà moins pire. Hein? Jean-Guy, il connaît ça, des bergers australiens. Non. Puis là, je vais la faire coucher avec mes yeux. Calinette. Je vais continuer ma petite vidéo. Une chance qu'on ne l'a pas fait rouler. Fait que là, on avait rajouté Petit Maurice dans le décor. Fait que ça a pris quoi, 20 minutes, hein? Ouf, c'est pas plus. Avant que mademoiselle renonce. Bon.